Il fait pas partie de l'Union européenne. Il fait pas partie de l'Union européenne, exactement. En 1995 ou en 2005. C'est un état d'âme. Tu sais ou tu te doutes? Je te doute. Ah, attends, on va voir d'abord leur réponse. Aujourd'hui, c'est notre première séance dans le cadre d'un projet en lien avec l'Europe, les Alpes, l'environnement. Et aujourd'hui, c'est un peu cette session d'introduction pour découvrir voilà, cette Europe, de quoi on parle. C'est Isabelle Lajoie. Dessiner tout ce que vous voulez qui répond à la question à votre... Quel défi écologique, quel défi vous voyez en matière d'écologie sur le continent européen? Ça peut bien. Ah si, moi je suis un dessinateur. Est-ce que c'est un phénomène naturel? Les gens sont... Alors, est-ce que dis-nous ce que tu penses. Vous allez prendre un rôle. On va faire un jeu de rôle. Vous allez devenir des députés européens, des ministres européens. Vous allez prendre ce rôle-là et vous allez pouvoir discuter ensemble de questions en lien avec l'environnement. Bah, on pense que pour l'article 2, la vente, c'est par les États membres et pas par les... par la Commission européenne, car nous on pense que c'est mieux de penser par soi et pas par les autres. Ben, on va essayer de interdire l'article 4. Pourquoi donc? Parce que nous c'est pour toute l'Europe et ça c'est pour que quelques États. Dans ce groupe, vous avez été approché par un certain nombre de lobbyistes qui représentaient leurs intérêts. J'ai cru apercevoir des lobbyistes qui représentaient des agriculteurs ou des apiculteurs qui défendent les abeilles, voire même aussi des gens qui produisent des produits pharmaceutiques, des pesticides. Donc, si on augmente les impôts, les citoyens ne seront pas contents, mais on pourrait plutôt, une fois qu'on aura fini ses études, on aura plus de fruits et légumes, du coup, on pourra gagner plus d'argent. Nous, on est contre... De quel est gros politique, s'il vous plaît? La Renew Europe. Oui. On est contre l'extrême droite. Oui, d'accord. Ok, mais par rapport à leur proposition, est-ce que vous êtes pour ou contre? Eh bien, en fait, on aimerait qu'il n'y ait plus du tout de mise sur le marché. Nous, on serait pour mettre l'utilisation des néonicotinoïdes de partout. Parce que si on n'est que dans les serres, ça signifie qu'on en utilise moins et qu'on gagne moins d'argent. Qui vote pour? Vous êtes tous là? Ok, très bien. Donc 9. 9 pour. Qui s'abstient? 2. Très bien. Qui vote contre? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Contre 14.